Debout, devant les enfants du modeste village de Medjugorje, la dame, habillée d'une robe un peu bleu-grise, un peu lumineuse, s'est présentée comme reine de la paix. La paix, c'est aussi pour les guerres intérieures, les guerres dans les familles. Les familles sont un peu bousculées actuellement. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de séparations, de déchirements. On est quelquefois acteur de la séparation, car la situation est invivable. Ou on subit une séparation, car il faut être deux pour vivre ensemble, et il faut être deux pour se pardonner. La famille est un refuge, où l'on peut se ressourcer, où l'on peut prendre du recul, et où l'on trouve une oreille amicale. Marie nous dit « prière, jeûne, sacrifice et chapelet ». Le plus dur, c'est de jeûner, car cela demande un effort, un gros effort. Et beaucoup, beaucoup croient qu'ils n'y arriveront pas. Faites-le juste pour un repas, avec du pain complet et de l'eau. Et si vous n'y arrivez pas, essayez avec du pain et un soda. Ou un pain au raisin et de l'eau. Le truc, c'est de s'obliger à faire quelque chose que l'on ne veut pas faire et de le maintenir pendant des mois et des mois, une à deux fois par semaine. Évidemment, le meilleur jeûne est au pain complet et à l'eau. Les malades, eux, doivent juste faire un petit sacrifice régulièrement. Ils ne doivent pas jeûner. Une photo de l'huile, sans trucage. Dans le quartier de Tlajomulco, non loin du lac de Chapala, au Mexique, plusieurs photos et tableaux ont laissé apparaître des traces d'huile. Un reportage a été diffusé à la fin du printemps 2009 et il a été téléchargé sur YouTube. Voici les images. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez voir encore 150 vidéos en suivant la flèche rouge. Ou alors regarder plus de vidéos en suivant le lien. Ou tout simplement vous abonner pour être au courant de la prochaine sortie d'une vidéo, si YouTube le permet.